Voilà 10 ans que la Squadra Gorsa se retrouve chaque année pour une rencontre. Ces terrains de jeu, les stades Armand Cesari à Furiani, François Coty et Ange Casanova à Ajaccio. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, cette sélection n'avait quitté sa terre. Cette année, c'est donc cap sur les Caraïbes, un long déplacement pour participer à un tournoi. Et ça aussi, c'est nouveau. Un tournoi réunissant 3 autres sélections territoriales. La Guyane, la Guadeloupe et le Pays Hôte, la Martinique, ici en bleu à Limache. Une première donc avec une volonté avouée de pérenniser la démarche. La Squadra Gorsa sera coachée par Jean-Michel Cavalli et Charles Orlanducci. Une Squadra Gorsa remaniée depuis sa dernière apparition l'an dernier contre le Nigeria. L'auteur du seul but corse de cette rencontre, Jean-Jacques Mandrigue, sera présent, comme Yannick Cahuzac, même s'il n'est pas certain que le capitaine puisse s'aligner en raison d'une blessure. La Corse affrontera la Guadeloupe mardi soir en demi-finale. Les joueurs auront une pensée pour Étienne Sansonetti, décédé mercredi dernier. Étienne Sansonetti, un des buteurs de la formation corse qui s'imposa face à l'équipe de France de Juste Fontaine en 1967 à Marseille.